y a une semaine jour pour jour, mardi 18 mai, Didier Deschamps dévoilait la liste des 26 joueurs convoqués pour disputer l'Euro cet été, 11 juin au 11 juillet 2021, pour défendre les couleurs de l'équipe de France. Parmi tous ces internationaux, le sélectionneur des Bleus avait choisi de rappeler Karim Benzema, 5 ans et demi après sa dernière sélection. L'attaquant du Real Madrid va pouvoir retrouver Clairefontaine dès ce mercredi 26 mai pour le rassemblement des tricolores, mais avant cela, KB9 a accordé un long entretien à l'équipe dans lequel il a parlé de son tête-à-tête décisif avec Didier Deschamps. C'était vraiment un moment tranquille, on ne s'était plus vu depuis ma dernière sélection, en 2015. Ça nous a fait du bien de discuter, d'échanger et de voir qu'on avait beaucoup de choses à se dire. Je me suis toujours bien entendu avec lui et, au bout de 3 minutes, tout était redevenu comme avant, a-t-il expliqué sans rentrer dans les détails comme le champion du monde 1998 et 2018. On a parlé de beaucoup de choses. C'était une longue discussion entre hommes, qui restera entre nous. On n'a pas parlé que football, on a parlé de tout, de la vie, la famille. Mais à aucun moment il ne m'a dit, tu seras à l'Euro, a-t-il raconté. La seule chose que je me suis dit après cette discussion, c'est qu'on avait fait un grand pas ensemble, et que c'était positif. Le jeune homme de 33 ans a étalé ses ambitions avec cette équipe composée de nombreux talents à l'image de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, N'Golo Kanté, Paul Pogba ou encore Kingsley Coman. Je ne viens pas en équipe de France pour faire de l'ombre à un tel ou pour prendre la place à quiconque. Non, non. Ils ont déjà gagné. Ils savent ce que c'est. Moi, je viens juste amener ce que je sais faire, a-t-il déclaré. Je veux gagner un trophée avec l'équipe de France. On espère que cela se produira le 11 juillet prochain à Wembley, jour de la finale de l'Euro si la France parvient à se hisser jusqu'à ce stade. Point à voir également, Didier Deschamps fait un aveu de taille sur sa relation avec son fils. La rédaction à lire aussi Adblock.